Là, ça, c'est le tracé de la piste La Pébie qui va jusqu'à l'Aréole. Un départ de Bordeaux, vraiment Bordeaux-Centre, où on va partir d'ici à peu près. Et donc là, on longe. J'ai l'impression que toi, t'aimes le Tour de France. Oui. Tu vas faire un Tour de France ? C'est en même temps que le Tour de France, mais c'est pas tout à fait pareil. On va faire une route super longue, alors... Combien ? À peu près combien de kilomètres ? 30 km et plus 30 km autour. C'est 30 personnes à la file indienne, donc il faut absolument qu'il y ait deux personnes à l'avant et une autre qui est au croisement. Deux au croisement. Ah bah faut une préparation physique, hein, c'est sûr. Ouais, bon, ça va, vous avez tellement envie. Bon, Ali, très bien. Amara. T'es content d'aller faire du vélo? Oui, très content. Oui, j'aime le vélo, j'adore. Stop. Mais on lève le doigt, hein, on lève la main. Ah, stop. Là, celui-là, qu'est-ce que ça veut dire, là? Obligation quoi? Non, du vélo. De faire du vélo. Alors. On est parti sur le quai. On est parti faire un petit entraînement là-bas. Ouais, ça va. C'est facile pour toi? C'est facile. Ouais, c'est facile. Ça nous permet de faire attention, d'être protégé, voilà, et de ne pas prendre de risques. Ah, t'es content de partir en juillet? Ouais. Pourquoi t'es content? Parce qu'il y a le Tour de France en même temps. L'idée, c'est que c'est une aventure à vélo qui embarque des artistes. Je regarde le où? Moi. Ok. On va se regarder. Ça marche. La question, ce serait en quoi c'est important de mêler la pratique artistique avec ce genre de projet un peu social? Mon idée, c'est plutôt de les faire participer à un projet artistique en me disant déjà ça les sort de leur projet habituel. On est kangourou, ouais. Même si c'est des choses rigolotes que je propose, je les prends très au sérieux. Parce qu'ils deviennent participants, acteurs, artistes. On va fabriquer un drapeau qui représentera chaque personne qui compose le groupe. À partir de la photo, on vous donne des feuilles de couleurs. C'est de l'art? Ouais, c'est de l'art aussi. Et c'est bien l'art? Oui, j'aime. C'est pour ça que j'ai toujours là. Jusqu'à 10h, je viens ici, j'ai toujours là avec vous. Ça nous apprend de faire quelque chose aussi encore nous-mêmes. Bah, c'est bien, ça nous aide aussi à savoir si on est capable de faire ou pas. On en rajoute un. Pourquoi c'est chouette de fabriquer tout ça? Ça, c'est pour garder des souvenirs après. Moi, je suis super fière. Ouais. Et Marianne, faut que tu ailles aussi. Hein. On se comprend, c'est tout. Donc, ça permet d'être mieux. L'art, peut-être, ça permet de mieux se comprendre. Oui, c'est mieux de comprendre. On se comprend. On s'entend. On rigole ensemble. On fait tout ensemble. On se comprend très bien même. C'est aussi un moyen de faire de l'art à d'autres endroits hors des contextes conventionnels. Je sais pas, c'est un peu la tête et les jambes, quoi. Si on fait du sport, mais on essaie de réfléchir un peu à côté.